Cela va bientôt faire un an que je m'intéresse quotidiennement à l'intelligence artificielle et des outils j'en ai vu passer. Mais il y en a un qui a bien retenu mon attention et qui n'arrive pas à être détrôné. Cet outil nous permet tout simplement de prendre une vidéo longue et de la découper en plusieurs petites vidéos qu'on pourra reposter par exemple sur TikTok, sur Instagram Reels ou sur YouTube Shorts et vous allez comprendre la puissance de cet outil d'intelligence artificielle. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un outil que j'ai souvent survolé durant mes vidéos, mais je n'ai pas pris le temps de faire une vidéo entière. Il mérite totalement une vidéo entière. Il mérite d'être connu du grand public. Je n'ai rien à vendre dans cette vidéo. Je vous partage seulement un outil que je juge très puissant, surtout si vous êtes créateur de contenu ou que vous avez une problématique pour exporter du contenu long en contenu court. À l'aide d'un seul contenu, d'un seul lien ou d'un seul format MP4, vous allez pouvoir passer à 10 contenus courts qui vont être triés selon un score de pertinence et qui vont être adaptés directement à des plateformes comme TikTok. Malgré que la stratégie de contenu court n'est pas ma stratégie actuelle, je juge pertinent de vous partager cet outil parce que, à votre place, si vous avez besoin de cela, j'aurais bien aimé le connaître. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous sommes partis sans plus attendre pour découvrir cet outil. Alors, cet outil, c'est tout simplement Opus Clip. Et vous allez voir qu'il est pas mal connu et surtout très puissant. Vous allez cliquer sur le premier lien et ensuite vous allez tout simplement vous connecter et vous allez voir que vous pouvez réaliser beaucoup, beaucoup de choses. L'intelligence artificielle va tout simplement comprendre votre vidéo et la découper en 10 vidéos avec un score de pertinence, comme vous pouvez le voir ici, le AI Virality Score. Énormément de fonctionnalités sont disponibles et je vais vous montrer ce qu'on peut faire gratuitement. Cliquez sur Sign In et puis connectez-vous directement, soit un compte Google, soit vous créez un compte avec un email. Une fois le compte créé, vous allez avoir une interface similaire à celle-ci où est-ce que vous êtes directement dans le dashboard. Vous avez plusieurs possibilités pour ajouter une vidéo. Et il y a par exemple deux vidéos de démonstration. Et si je clique sur celle d'Elon Musk, on peut voir qu'il y a pas mal de vidéos qui ont été déjà découpées et ça nous montre comment cela a été fait. À partir de cette vidéo, l'interview d'Elon Musk avec Sam Altman sur la chaîne Y Combinator qui dure 19 minutes, eh bien on a 7 vidéos qui ont été créées. Le tout avec un score de pertinence et les sous-titres. Regardez par exemple la première vidéo qui a été triée et rankée au score de 92 sur 100. C'est un score qui a été attribué par l'intelligence artificielle d'Opus Clip qui nous dit que cette vidéo a beaucoup de chances de devenir virale. Et vous le savez autant que moi que ce n'est pas une science exacte parce que quand on voit les absurdités qu'on voit passer sur notre feed, vous vous rendez compte que c'est pas les vidéos souvent les plus pertinentes. Mais c'est toujours bon d'avoir l'avis d'une intelligence artificielle qui est froide, pragmatique et entraînée sur des milliers de vidéos, nous dire que cette vidéo a pas mal de chances d'être connue. Regardez donc la preview. No, like some evil dictator of a country could send their intelligence agency to go steal it and gain control. It just becomes a very unstable situation, I think, if you've got any incredibly powerful AI. Vous voyez qu'il y a des choses très intéressantes à dire sur cette vidéo. Déjà, on peut voir qu'il y a les sous-titres également, et aussi, bah là, par exemple, on peut voir que les têtes ont été superposées, et ça, c'est ingénieux. Le contexte a donc été compris par l'intelligence artificielle, qui a donc superposé les deux plans, et surtout, qui a pu décrypter tout ce qui a été dit. On a donc eu 7 vidéos, et on peut théoriquement les modifier, mais vous avez vu que seulement, eh bien, en mettant le lien de cette vidéo, on aurait eu 7 shorts prêts à l'emploi, prêts à être publiés et prêts à être dévorés ou du moins prêts à être programmés sur par exemple une semaine. Un lien, quelques minutes pour une semaine de contenu préparé, je trouve que c'est génial. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Nous allons faire la même chose avec une vidéo et on va prendre cette vidéo pour la découper grâce à l'outil d'intelligence artificielle Opus Clip et voir ce que ça donnerait. Alors pour cette vidéo, on va prendre 14 habitudes pour une énergie illimitée de Yumi Denzel. C'est une vidéo qui dure 29 minutes et je pense très sincèrement qu'il y a pas mal de choses à en tirer. Et au moins, ça vous donnera un exemple concret de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir passer sur votre feed. Yumi Denzel est très présent sur les contenus courts comme par exemple TikTok, Instagram Reels ou encore YouTube Shorts. Je vais copier ce lien, je vais retourner dans le dashboard et là on peut voir que même si là je m'apprête à coller un lien YouTube, on peut aussi mettre un lien Zoom, un lien Google Drive, un lien Rumble. Alors il y a beaucoup de choses possibles et on peut aussi directement donner les formats suivants: MP4, Move,
WebM. Et dans un souci de copyright, un petit message apparaîtra qui vous avertit que si vous faites des clips de vidéos, assurez-vous que c'est bien votre contenu, autrement dit, faites attention de ne pas reprendre du contenu et le poster en vrac alors que ce n'est pas le vôtre. Nous pouvons choisir les sous-titres. Là, French a été directement trouvé parce que la vidéo est évidemment en français, mais il y a beaucoup de langues et ça fait très plaisir. Si vous avez une stratégie d'internationalisation, si vous voulez développer votre business sur d'autres pays, ça peut être très intéressant. Et même le mode auto qui va trouver directement. Et on peut aussi traduire. Alors non, on va pas traduire dans ce cas. Ça va m'utiliser 30 minutes de crédit. À savoir que gratuitement, on a une heure de crédit. Et oui, 30 minutes de crédit parce que la vidéo dure 29 minutes 41. Et là, nous allons cliquer sur Get Clips in One Click. Et là, c'est un très bon slogan marketing parce que en un seul clic, on va avoir directement plusieurs vidéos. Le processus est en train d'être fait. On peut voir qu'on peut avoir un aperçu de tout ce qui est en train d'être généré. Il y a du coup l'analyse de la vidéo, évidemment. Ce que va faire l'intelligence artificielle dans ce cas précis, c'est que d'abord, il va en déduire le contexte. Il va comprendre la vidéo, notamment grâce aux retranscriptions de la vidéo. Ensuite, ce sera tout simplement l'intelligence artificielle qui fera son boulot et qui dira « Ok, donc sur les 30 minutes de vidéo, cette partie-là est pertinente, cette partie-là est pertinente, celle-ci aussi, etc. etc. » Le tout va être trié selon un ordre de score de pertinence que l'intelligence artificielle attribuera. Et ensuite, un travail de sous-titrage sera fait pour rendre les choses beaucoup plus agréables à regarder. Nous sommes actuellement à 20% et le temps d'attente estimé est de 10 minutes. Nous voici 8 minutes après et c'est pas loin de 20 vidéos qui ont été générées. Oui, oui, 20 vidéos. Et c'est assez exceptionnel, 20 vidéos sur une vidéo de 29 minutes, surtout en 8 minutes, et le tout sous-titré. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Elles ont été approuvées par des experts, et surtout elles sont validées par la science. Il y a de nombreuses études scientifiques qui valident leur efficacité sur le corps humain. J'ai décidé de les classer de la moins importante à la plus importante, donc si vous voulez en mettre uniquement quelques-unes en place, je vous recommande de prioriser celles que je vais mentionner en dernier. Et je la télécharge. Et surtout elles sont validées par la science. Il y a de nombreuses études scientifiques qui valident leur efficacité sur le corps humain. Les sous-titres sont vachement dynamiques et ça rajoute réellement quelque chose sur la vidéo. Évidemment, il y aura le petit logo de la marque quand on paye pas, c'est la version gratuite. Une des hormones qui va causer des problèmes de sommeil, de stress, de perte en énergie, d'épuisement, même de dépression et d'anxiété, c'est le cortisol. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette vision du monde, bien qu'elle nous pousse à être fort et à être résistant, eh bien, elle peut nous poser des problèmes. Vous l'aurez compris, il y a énormément de vidéos. Après, bien sûr, il y a des vidéos qui sont plus pertinentes que d'autres, donc il faudra regarder ce qui vous intéresse et piocher dans celles qui vous intéressent réellement. Certaines vidéos vont avoir un bon début, un bon hook qui va accrocher les personnes, et d'autres, eh bien, vont avoir un contenu qui n'est pas forcément au top et qui ne répond pas à vos exigences. Et par exemple, si je veux aller plus loin, même si là, ce n'est pas la vidéo de Yumi Denzel, je peux cliquer sur « Edit » et ensuite pouvoir tout modifier. Que ce soit l'orthographe des mots qui a mal été pris en compte par l'intelligence artificielle ou bien les couleurs et les animations ainsi que les emojis, tout ne sera évidemment pas parfait, peut-être que des emojis seront pas pertinents ou que des mots seront mal traduits et ça va vous permettre de pouvoir directement revenir sur ce qui a été généré. Et en réalité, ici, on peut voir qu'un clip a été ajouté automatiquement directement tout droit venu de Pexel, une bibliothèque de contenu d'images et vidéos gratuite, accessible à tous pour pouvoir illustrer encore mieux vos montages vidéo. On peut pousser encore plus le design de façon automatique en activant ou désactivant les auto-emojis qui seront placés, ajouter un overlay, par exemple je peux très bien ajouter mon logo et pouvoir l'ajouter quelque part, et là vous avez plusieurs paramètres de base que vous pouvez utiliser selon le nombre de personnes qui apparaissent dans la vidéo, et également aussi le ratio. Bref, il y a énormément de choses que vous pouvez réaliser. Ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que de mois en mois, les choses vont de plus en plus loin. Au début, on ne pouvait pas faire tout ça. Mais plus le temps passe et plus nous pouvons faire des choses avec Opus Clip. Et grâce au bouton programmé ici, on pourrait théoriquement publier de façon automatique nos shorts directement sur notre plateforme, à savoir TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, etc. etc. Je le répète encore une fois, mais je ne suis pas affilié à Opus Clip.
Mon but, c'est simplement de vous partager une solution qui peut être très efficace si vous cherchez à mettre en place une stratégie de contenu court avec un outil d'intelligence artificielle. Ce qui permettrait inévitablement de casser les prix en termes de montage vidéo, parce que si on regarde les tarifs, on peut s'en sortir à 19$ par mois pour 200 minutes d'upload de vidéo. Alors ce que j'aime tout particulièrement sur Obvious Clip, c'est la cascade d'actions qu'on peut faire, et c'est ça que je cherche à faire avec l'intelligence artificielle. Le but, c'est d'envoyer directement un lien à une intelligence artificielle qui va ensuite comprendre le contexte du contenu en entier, le découper en sous-contenu et le trier selon un score de pertinence. Et il nous donnera aussi quelque chose de tout près à l'emploi, parce qu'on aura un sous-titrage automatique qui aura été fait de façon animée et un montage qui a été fait de façon automatique, comme l'ajout de certains clips qui viennent tout droit de Pexel. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir quelque chose aujourd'hui, et si ce genre d'outil vous intéresse, j'ai réalisé un ebook complètement gratuit dans lequel je regroupe les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Évidemment, il n'y a pas de ChatGPT ni Midjourney dedans, je vous invite vivement à aller voir cela en description. Et l'outil Obvious Clip, je l'ai déjà présenté à ma newsletter qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle, où est-ce que j'y partage des outils d'intelligence artificielle, des news en rapport avec l'IA et également mon retour d'expérience avec l'IA, comment je mets à profit l'IA dans mon activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous inscrire avant de louper le mail qui va arriver à 18h15. Chaque jour qui passe, c'est un email que vous ne pourrez plus jamais revoir, alors n'hésitez pas à aller vous inscrire. En tout cas, nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve de l'autre côté.